nous rejoignez à la une de ces journaux. Le Premier ministre congolais Jean-Michel Samalukonde a remis sa lettre de démission au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo hier soir, 8 jours après la validation de son mandat en qualité de député national élu lors des scrutins de décembre 2020. Des communiqués officiels en rapport avec cette démission à suivre dans ces journaux. Et puis suspendu depuis février 2023, le trafic ferroviaire Kinshasa-Matadi a repris après des grands travaux de réhabilitation des ouvrages endommagés à la suite des catastrophes naturelles. Voilà tout pour le titre encore une fois. Bonjour et surtout, merci de nous avoir choisis pour vous informer à travers cette édition des 7 heures. Une édition que nous ouvrons par la démission du Premier ministre. Jean-Michel Samalukonde a officiellement remis sa lettre de démission au chef de l'État. C'était au cours de l'audience lui accordée hier mardi par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi et Tshilombo, à la cité de l'Union africaine. On fait le point avec Blandine Zouvre. Il est très exactement 17h20 lorsque la Jeep officielle Toyota, immatriculée AGC 0001, fait son entrée dans les allées de la cité de l'Union africaine. À son bord, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde, visage décontracté, arborant un sourire spontané. Samalukonde est accueilli par le protocole d'État et passe l'un de ses derniers barreaux d'honneur. À quelques heures de la fin de l'exigence du choix à opérer entre le mandat législatif et l'exécutif lancé par le bureau provisoire de l'Assemblée nationale, le Premier ministre élu député national à Kasenga, province du Haut-Katanga, s'est voulu plutôt conformiste. Au nom du gouvernement qu'il dirige depuis 3 ans et 5 jours, avec à son actif 125 conseils des ministres, le Premier ministre a présenté sa démission au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Samalukonde démissionne conformément à l'article 108 de la Constitution. Le président de la République a pris acte de cette démission. À l'issue des élections du 20 décembre dernier, la Commission nationale électorale indépendante m'a proclamé provisoirement comme étant l'élu de la circonscription de Kasenga. Et donc, aujourd'hui, je suis venu, conformément aux prescrits de la Constitution, notamment l'article 108, mais aussi ceux de la loi électorale, les articles 77 et 78, mais également du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale, les articles 122 et article 19, qui, à la suite de ma validation, depuis le 12 février, comme député national, me mettait devant un choix. Et ce choix était porté sur celui du mandat de député national, pour représenter la circonscription de Kasenga, et avec, comme voie de fait, la demande de venir me présenter devant le président de la République pour non seulement l'informer de mon choix et par voie de conséquence de ma démission comme chef du gouvernement, Premier ministre et par la suite du gouvernement que j'ai eu l'honneur de diriger. C'était une rencontre conviviale où le président de la République a pris acte de cette décision qui a été prise. Et c'était pour nous une occasion de le remercier. Remercier d'abord sur le choix qu'il avait porté sur nous, mais également au-delà de ce choix, sur la collaboration qui a été faite de manière très loyale, en tout cas de moi vis-à-vis de lui, et qui aura permis à ce que, sur les missions qui auront été données au gouvernement que je dirigeais, notamment sur les questions sécuritaires, les questions d'éducation, les questions de la santé, les réformes économiques et financières et finalement le social, nous avons pu l'accompagner dans sa vision, en tout cas sur l'amorce surtout des grands chantiers qui lui sont chers. Cependant, tenant compte de la situation particulière que traverse le pays et en attendant la formation du nouveau gouvernement, le président de la République a demandé au Premier ministre et aux membres du gouvernement d'assurer l'expédition des affaires courantes conformément à l'article 6
de l'ordonnance numéro 22/002 du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du gouvernement. Nommé Premier ministre le 15 février 2021, Jean-Michel Samalou Kondé a succédé à Sylvestre Ilunga Ilunkamba à l'issue des consultations nationales qui ont donné lieu à la création de la plateforme politique Union sacrée de la nation. Et justement, en rapport avec cette démission, nous avons ces communiqués officiels émanant du cabinet du président de la République, il est libellé. C'est mardi 20 février 2024, le Premier ministre et chef du gouvernement a déposé auprès de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, la lettre de démission de son gouvernement à la suite des élections législatives du 20 décembre 2023, et ce, conformément aux dispositions pertinentes des articles 78 alinéa 1er et 108 de la Constitution, 77 et 78 de la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telles que modifiées à ces jours, ainsi que des articles 122 et 19 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Y réagissant, son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a accepté la dite démission. Cependant, tenant compte de la situation particulière que traverse le pays et en attendant la formation du nouveau gouvernement, le chef de l'État a demandé au Premier ministre et aux membres du gouvernement, chacun en regard de ses fonctions, d'assurer l'expédition des affaires courantes conformément à l'article 6 de l'ordonnance numéro 22/002 du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement. Le Premier ministre chef du gouvernement a informé son Excellence Monsieur le Président de la République qu'à dater de ses jours, lui-même et les membres de son gouvernement feront usage du droit de suspension et de reprise de leur mandat parlementaire prévu par les alinéas 2 et 3 de l'article 110 de la Constitution pour ne pas se retrouver dans un cas d'incompatibilité des fonctions. Fait à Kinshasa, le 20 février 2024, Guilain Niembo Mbuiza, directeur des cabinets. Et puis, ces instructions relatives à l'expédition des affaires courantes par le gouvernement de la République, le cabinet du président de la République porte à la connaissance de la nation qu'à la suite de la démission du gouvernement et conformément aux dispositions de l'article 6, alinéa de l'ordonnance numéro 22/002 du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement, les affaires courantes couvriront les affaires de gestion journalière dont le règlement n'implique pas des décisions quant à la ligne positive à suivre. Les affaires en cours à propos desquelles la décision constitue l'aboutissement des procédures entamées antérieurement et les affaires urgentes pour lesquelles un retard dans le traitement serait générateur de dommages et de nuisances pour la nation ou contreviendrait aux engagements internationaux de l'État. Dans le souci d'encadrer le fonctionnement harmonieux des pouvoirs publics et de préserver l'intérêt supérieur de la nation pendant cette période, le président de la République, chef de l'État, a instruit les mesures conservatoires ci-après à l'intention de membres du gouvernement, dirigeants des entreprises publiques et portefeuilles de l'État, dirigeants des services, établissements et organismes publics, secrétaires généraux et responsables des administrations publiques. Il s'agit de la suspension jusqu'à nouvel ordre des recrutements, nominations, promotions et mouvements du personnel à tous les niveaux. La suspension jusqu'à nouvel ordre des engagements, des liquidations et des paiements de toutes dépenses publiques autres que celles liées aux charges du personnel. La suspension des missions des services à l'extérieur du pays pour tous les membres du gouvernement et les personnels de leur cabinet, sauf les déplacements liés à certains dossiers spécifiques dont les demandes d'autorisation seront examinées au cas par cas.
par cas. L'interdiction de recourir aux opérations de cession, de transfert ou d'aliénation des actifs de l'État autres que celles déjà engagées. Toutefois, des cas exceptionnels nécessitant une dérogation seront soumis à l'autorisation préalable du président de la République, chef de l'État, faite à Kinshasa le 20 février 2024, Guilain Niembumbuiza, directeur de cabinet. Poursuivons ce journal. Je vous amène en Ituri avec cette conversion des jeunes ex-membres des groupes armés. Ils ont adhéré dans le projet d'entrepreneuriat après leur intégration dans la société. Le gouverneur militaire Johnny Lubuya Kanchama est allé encourager ces jeunes de la chefferie d'Anguissoma. Junior Selemani, reportage. Autrefois exposé à l'activisme de groupes armés, les jeunes de la chefferie de Anguissoma ont accepté de déposer les armes en vue d'adhérer au projet d'entrepreneuriat mis en œuvre à Nyakoundé, une initiative qui a considérablement réduit le taux de violence orchestré par les groupes armés dans cette partie de l'Ituri. Des projets similaires seront davantage appuyés par la MONUSCO en cette année de leur retrait progressif en vue de pérenniser les acquis sécuritaires en province de l'Ituri, annonce Karna Soro, chef des bureaux de la mission onésienne en Ituri. Face à la population de Nyakoundé, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Lubuya Kanchama Johnny, a d'un ton ferme appelé la jeunesse de cette contrée à œuvrer pour la paix et le développement. Les communautés commencent à vivre ensemble. Les communautés, ceux qui sont dans le site, veulent rentrer chez eux. On ne vient plus pour rentrer ici. On ne vient plus pour parler de la violence. On vient pour parler du développement. Et nous tous ici, avec nos partenaires, avec nos amis, nous sommes là aujourd'hui pour appuyer ces jeunes, pour qu'ils aillent vers le développement. Notons que l'approche non militaire mise en exergue par l'administration militaire de l'Ituri avait permis à la milice Chinia Kilima, FP15 sigle, d'adhérer en première ligne au processus de paix, en laissant place à la reprise des activités socio-économiques dans un climat de paix. La chefferie des Anguissoma, autrefois avant l'état de siège, était comparable au cimetière, aujourd'hui une oasis de paix y règne. Revenons dans la capitale. Les consultations politiques se poursuivent avec l'informateur. Augustin Kabouya a reçu plusieurs regroupements politiques dans le lot. Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe et Jean-Lucien Boussa, tous ont réaffirmé leur engagement d'accompagner le chef de l'État pour son second mandat. Abikaï, reportage. Les consultations politiques initiées par l'informateur se poursuivent dans son quartier général sans embâche. Les regroupements politiques Coalition des démocrates Côte de Jean-Lucien Boussa a réaffirmé sa volonté d'accompagner le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la réussite de son deuxième mandat à l'honorable Augustin Kabouya. Sur ce, Jean-Lucien Boussa a signé l'acte d'engagement avant de saluer le travail qu'aba les sapeurs-pompiers et rassembleurs de l'Union sacrée de la nation Augustin Kabouya. C'est un travail qui est bien maîtrisé par l'informateur lui-même et son équipe qui se réfère à la Constitution de la République, et je suis convaincu que ça va aller très vite. Avec tous mes collègues, nous venons de remplir donc ces devoirs, de pouvoir nous identifier comme tels et d'œuvrer pendant les 5 années à venir dans ces cadres-là. La délégation des AAINC et AVK 2018, conduite par son autorité morale Vital Kamerhe, a marqué aussi sa présence à ces pourparlers. Sans détour, l'homme de Walungu a donné son accord de participer à la majorité parlementaire pour permettre à Félix Antoine Tshisekedi de mettre fin au drame de l'Est du pays provoqué par les Rwandais et son supplétif du M23. Ils sont venus répondre à la question de l'informateur de savoir si nous réitérons notre engagement d'être dans la majorité présidentielle et d'accompagner le président de la République dans l'accomplissement de son programme pour le social des Congolais et pour le développement du Congo. Nous avons dit oui. Les bureaux politiques des Désabar DTC, Mosaïque de l'IDPS, conduit par le professeur Jean-Claude Tshilumbaï, a été aussi consulté par l'émissaire de Félix-Antoine Tshisekedi. Sans surprise, des abats TDC et ses 21 députés ont réitéré leur volonté de faire partie de la coalition majoritaire.
AV et A3A, représentés respectivement par Clémence Bilonda, ont aussi réaffirmé leur engagement d'appartenir à cette grande coalition majoritaire. Aposem, Debdon et Tina a répondu aussi à l'invitation des formateurs. Ce parti politique allié de l'IDPS a donné son accord de principe pour accéder à la majorité présidentielle. L'honorable Paul Tshilombo a conduit aussi la délégation du regroupement à Tia auprès de l'informateur. Cette mosaïque du parti présidentiel a affirmé son appartenance à la coalition majoritaire à l'Assemblée nationale. Bientôt, la reprise de scrutin dans les circonscriptions de Massimanimba dans le Kwilu et de Yakoma dans le nord Ubangi. Le deuxième vice-président de la centrale électorale conduit une mission exploratoire à Massimanimba. Teti Samba, je reste au Fundje pour plus de précisions. La Commission électorale nationale indépendante tient à réorganiser les élections des députés nationaux dans les circonscriptions de Massimanimba, province du Kwilu, et à Yakoma, dans la province du Nord Ubangi, où le vote était annulé sur la décision rendue publique le 6 janvier 2024. La reprise de ces scrutins par la centrale électorale est une solution idoine pour permettre à la population de ces coins d'élire valablement ses représentants. C'est dans cette logique qu'une délégation de la centrale électorale conduite par son deuxième vice-président Didier Manara Linga s'est rendu à Massimanimba pour une mission exploratoire en vue d'évaluer les conditions utiles pour la réorganisation de ces structures. Cette mission, c'est une mission qui n'est pas simple du tout. Parce qu'au-delà des informations, nous allons également poser des actes. Parce que nous allons recourir également à la justice, à la police, pour que nous puissions traquer toutes ces personnes-là qui détiennent encore une fois les machines par des VRL. Personne ne sera épargné. Nous allons vraiment assainir l'environnement électoral de Massimanimba pour que les élections qui vont suivre soient des élections qui soient fiables, qui vont faire en sorte que nous ayons des vrais élus à Massimanimba et ça sera la joie de tous. Même exercice pour le rapporteur adjoint Paul Moïndo Moulemberi qui se trouve à Yakoma dans le nord Ubangi, accompagné des membres de la plénière Fabien Boko. Mais l'objectif c'est de préparer tous les éléments afin que les élections que nous allons organiser ici puissent être dénuées de tout cas de violence et que les élections s'organisent dans les conditions de paix et dans la transparence. Accueilli par le secrétaire exécutif provincial de la CENI Nord Ubangi, il a tenu une réunion technique à l'antenne de la CENI avant de se rendre au bureau de l'administrateur du territoire, question de s'imprégner des réalités de l'environnement et du déroulement des élections du 20 décembre 2023 dans ce territoire. Dans l'actualité, reprise de trafic ferroviaire Kinshasa-Matadi après une année de suspension pour raison des travaux de réhabilitation du chemin de fer, une reprise avec un train marchandise de 13 wagons. Explication Rodépanda. Transmission du document appelé ordre de pénétration par les chefs du département du chemin de fer auprès du conducteur de l'engin sur instruction du directeur général Martin Lukusam, la locomotive numéro 1433 dans le ton et quitte la gare centrale de Kinshasa, destination la ville de Matadi dans le Congo central. C'est donc la reprise effective du trafic pour une phase expérimentale. Après le grand travaux de réhabilitation réalisé sur différents points endommagés, cause de la suspension du trafic ferroviaire depuis février 2023, soit environ une année. Mais c'était difficile parce qu'on ne circulait pas. Comme ils ont manifesté cette bonne volonté de reprendre le trafic, que cela ne puisse pas arrêter demain ou le lendemain. Les conducteurs, la direction générale, la vie, tout c'est commun encore. Ces premiers trains mis sur les rails contiennent de marchandises. Les clients partenaires de l'ONATRA SA et l'ensemble de la population usagée du train peuvent déjà souffler un ouf de soulagement. Les assurances ont été données par le chef du département du chemin de fer, Denis Kabongo. Nous avons réhabilité trois ouvrages au PK 335, 332. Et 331. Nous avons également réparé deux ouvrages au PK 325 et au PK 320 et ensuite au PK 338. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour les chemins de fer parce que nous allons encore renouer avec nos clients. Nous lançons ce train expérimental
qui part de Kinshasa jusqu'à Matadi. Et alors, la direction générale et le conseil d'administration, avec l'appui du ministère des Transports et Voies de Communication, vont devoir lancer de manière officielle. Parce qu'à ce stade, nous, nous ne sommes que des techniciens. Nous voulons montrer au public que la voie ferrée est réhabilitée, ce premier train. Il est composé de 13 wagons. Nous avons des marchandises. Ces travaux ont été réalisés sur fonds propres de l'ONATRA avec l'expertise technique des ingénieurs de cette entreprise. Autre chose, le comité de pilotage du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques des bases dans la zone centre de la RDC a procédé à l'évaluation de son plan de travail budgétaire annuel PTBA 2024. Les précisions d'Anita Luambo. Cette rencontre entre les secrétaires généraux de plus de 10 ministères a permis au comité de pilotage du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques de faire la présentation des activités prises en compte par le projet PRISE 1, dont les réalisations ne sont plus à démontrer. Pour Deo Sunzu, coordonnateur du projet, plus de 70% du budget global a été engagé. Un objectif atteint pour ce partenaire du gouvernement de la République dans l'amélioration des conditions de vie des populations dans les milieux ruraux et périurbains. Le projet PRISE a fait de très très grandes réalisations. La première phase, le projet PRISE a construit la direction de l'hygiène ici à Kinshasa au bénéfice du ministère de la Santé. Le volet urbain, le projet PRISE a intervenu dans la ville de Tchikapa qui à un moment donné était menacée d'érosion. Nous avons appuyé la régie des eaux par la fourniture des intrants de produits chimiques, plus de 750 tonnes de produits de traitement d'eau pour la régie des eaux. Là, nous avions mené des études pour la construction de la microcentrale hydroélectrique et de l'eau-voie. Les études existent, il ne manquerait que les financements. Séance tenante, le comité de pilotage a par la même occasion procédé à la validation du plan de travail budgétaire annuel 2024 du projet PRISE 2 qui cette fois-ci prendra en compte 10 provinces contrairement à la première phase. Et aujourd'hui, nous avions présenté au niveau du comité de pilotage faire un rapport de clôture du projet PRISE 1 qui était une première phase du projet qui a concerné les Grands Kassai, qui est composé de 5 provinces, mais aussi présenter les activités de la phase 2, qui va aussi concerner les Grands Kassai, cette fois-ci, avec 5 autres provinces. Donc le projet PRISE, aujourd'hui dans son actif, intervient sur 10 provinces. La phase 2 du projet PRISE bénéficie d'un financement additionnel de la Banque africaine de développement, avec une contrepartie du gouvernement de la République. Un projet porteur d'espoir qui répond à la stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté dans les milieux ruraux et périurbains dans la zone centre de la RDC. À Kinshasa, l'état des routes perturbe la circulation des véhicules, motos, voire des piétons, et ce, à cause des multiples nids de poules qui se sont formés en plein milieu de la route sur les avenues Niangwe et Kabambaré. Certains usagers crient leur colère. Yolande Voka, Jean-René Kabamba, reportage. L'asphalte a complètement disparu, ne laissant aucune trace visible pour entrevoir une ligne de débarcation entre piétons et automobilistes. L'avenue Niangwe, dans la commune de Lingwala, a totalement disparu. Ici à Niangwe, on jette les immondices dans des caniveaux. Les buses sont bouchées. Emprunter une moto, c'est prendre le risque de se retrouver dans les eaux stagnantes. Non loin de là, deux avenues tout aussi emblématiques, Kabambaré, Kassavumu et Bokassa, ont perdu leur éclat. Les spectacles et aux antipodes. Que les autorités nous viennent en aide pour réhabiliter cette avenue Kabambaré Plateau. Chaque gouverneur doit prendre soin de sa ville, comme celle de Kinshasa. Il faut que la ville soit propre. Les cris
L'alarme est lancée. Il faut donc une réponse globale qui aura comme effet la réhabilitation de l'ensemble de la voirie de Kinshasa. Les travaux de l'atelier sur les dangers des installations nucléaires en RDC se sont achevés. Organisés à l'intention des journalistes de Kinshasa, ces assises ont été sanctionnées par plusieurs recommandations, notamment la création d'un centre d'interaction. Pierre-Mbou Saïdi nous en dit un peu plus. Journalistes professionnels de médias venaient des différents organes de presse de Kinshasa, tous membres de l'association des journalistes et éditeurs indépendants du Congo AGIC, l'un des sociétaires de l'Union nationale de la presse du Congo UNPC, ont renforcé leurs compétences journalistiques à travers un atelier de formation, atelier axé sur la sensibilisation aux multiples dangers des rayonnements ionisants, à la protection physique des matières et des installations nucléaires en République démocratique du Congo. Notre association est heureuse d'entrer en partenariat encore direct avec le CNPRI pour outiller les journalistes. Nous nous sommes assignés comme objectif de renforcer et vulgariser les capacités des journalistes dans des matières tellement spécifiques. Organisé par l'AGIC en partenaire avec le Comité national de protection contre les rayonnements ionisants, CNPRI, cet atelier était une belle opportunité pour cette structure de plancher sur certaines missions régaliennes dévolues à la CNPRI et peu connues par les Congolais lambda. CNPRI veut dire le Comité national de protection contre les rayonnements ionisants. C'est l'autorité de régulation d'interprétation pacifique des sources de rayonnements ionisants. L'utilisation les rayonnements ionisants procurent beaucoup ou d'énormes avantages à l'humanité dans plusieurs domaines. Mais comme il y a beaucoup d'avantages, il y a aussi des inconvénients. Alors, il nécessite une réglementation spécifique quant à ça. Diverses recommandations fortes et pertinentes de résolution calquées sur les réalités sociales concrètes congolaises ont été adoptées et transmises à la CNPRI au terme de cet atelier par les participants, dont le plus important se résume à la création d'un centre d'interaction, l'organisation des visites guidées et la mise à la disposition des professionnels de médias, des supports et outils indispensables à même de sensibiliser la population sur le rôle que joue et la place qu'occupe la CNPRI dans l'échiquier social. Et puis cette réunion du comité stratégique sur le plan cadre des coopérations des Nations Unies pour le développement durable, objectif accélérer le changement nécessaire en vue de la réalisation de la vision nationale et l'atteinte des objectifs de développement. Mamita Bangoulou nous en dit un peu plus. Ces cadres de référence tenus sur les stratégies des coopérations RDC-ONU signées en 2019 constitue la réponse collective et coordonnée des Nations Unies aux priorités nationales. Cela s'inscrit dans les plans nationaux stratégiques de développement. La réunion d'orientation stratégique et évaluation annuelle est une manifestation qui s'inscrit dans une triple logique. La logique de s'accorder sur les défis, les priorités à venir, planifier ensemble un instrument dynamique de collaboration entre le gouvernement et les Nations Unies. Cette analyse a été approfondie suivant l'état des liens des objectifs du développement durable en RDC. Le coordonnateur résident du système des Nations Unies en RDC, Bruno Lemarcus, a exprimé toute sa reconnaissance aux partenaires techniques et financiers pour leur accompagnement et leur appui sans faille. Et s'attaquer aux problèmes qui touchent les personnes, les femmes, les filles, parfois victimes de violences sexuelles, les personnes vivant avec des handicaps, les groupes vulnérables, les personnes déplacées, etc. Au nom du gouvernement, le directeur chef des services de la coopération multilatérale et représentant du secrétaire général à la coopération internationale, Pelengamo Dogma, David, a exhorté les parties prenantes à ces cadres de coopération à ne pas couper ces cordons ombilicaux qui nous lient. À ne pas couper ce cordon ombilical qui nous lie et à ramener dans une même direction dans la poursuite de notre programme de coopération. La transition de l'ONU vers les institutions nationales pour la planification du nouveau cadre doit tenir compte des défis de développement auxquels le pays est actuellement confronté. Appuyer les priorités nationales en matière de développement, permettre de s'attaquer davantage aux causes profondes et principaux obstacles au développement du pays avec une croissance inclusive.
Ainsi se referme cette édition des 7 heures sur la RTNC. Nous disons merci aux différentes équipes de la régie. Merci à vous de nous avoir suivis. Grand merci également à tous les héros dans l'ombre. Excellente suite des programmes sur la télévision nationale.